à tous et à toutes. Dans Le Rouge et le Noir, Stendhal écrit « Le bonheur, c'est de faire de sa passion une vocation ». C'est pourquoi nous allons aujourd'hui à la rencontre d'un musicien qui a fait de sa passion une vocation. Mac Gill, celui qu'on appelle l'homme à la voix de bronze. Allons à la rencontre de Mac Gill. Ça y est, plus que quelques heures, les rideaux vont se lever sur moi. Dans ma loge, je fais la ronde, comme un lion dans sa cage, je tourne en rond. Sera-t-il au rendez-vous, le public me suivra-t-il partout? Serai-je à la hauteur? J'ai si peur, mais les dés sont jetés. Devant ces anonymes, je dois avancer. À la hauteur ou pas assumer, il faut assurer. Il faut assurer. J'avoue, le doute se mêle au trac. Il ne faut surtout pas que je me rate. Car ce soir, je fais pas l'entracte. Oui, ce soir est le mien, c'est moi la star. Ce soir, je vais chanter. Je voudrais partager, pour réchauffer nos cœurs, quelques mots des mélodies du ciel. Mac Gill, c'est un plaisir pour moi de t'avoir aujourd'hui sur mon plateau. Je vais te tutoyer déjà pour commencer. Parle-moi un peu de tes débuts, de ton histoire d'amour avec la musique, parce que ça dure quand même 30 ans. C'est une très 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 longue histoire. Je pense que si je mets à tout te raconter, on y passera toute la nuit. La musique, je ne suis pas arrivé à la musique, mais je suis né dans la musique, comme j'ai l'habitude de dire. D'accord. Parce que de la profession de mes parents, j'ai été emmené de poste en poste parce que mes parents sont de profession, ils étaient de profession religieuse, donc très paroissiale et nous avons beaucoup voyagé. Mm-hmm. Donc en voyageant, j'ai été en charge d'animer les cultes avec mes parents, d'où je dis que la musique, je suis né dans la musique et je ne suis pas arrivé dans la musique. D'accord. Et donc parlons de cette musique-là qui est un mélange de pop, rock, de rumba, de folklore. Ce mélange-là, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce mélange? J'ai eu l'avantage déjà d'être né dans le bassin congolais, mm-hmm. avec toutes les influences de la musique congolaise, la musique africaine. Et mon étoile a voulu que j'aille un peu plus loin. J'ai voyagé, j'ai tourné un peu partout. Et de partout où je suis passé, j'ai retenu quelque chose, un certain style musical, comment ils font. J'ai appris et j'aime beaucoup apprendre, d'où aujourd'hui ma musique, je la qualifie d'hybride parce qu'on trouve beaucoup d'Africains dedans et beaucoup d'influences anglaises. Donc mm-hmm. parler de pop ou tu parles de pop music, je suis passé par la Grande-Bretagne et puis aujourd'hui, comme on dit, c'est devenu un peu de la world music. Et moi, ma world music à moi, c'est mon côté africain mélangé à ce côté anglo-saxon et un peu français également, parce que c'est mon pays d'accueil aujourd'hui. Ce côté hybride que tu viens de nous dire, est-ce que c'est le chanteur Cabrel qui t'a inspiré? Parce que nous avons assisté une fois au concert, un concert donné, où tu as interprété du Cabrel. Il a été l'un de ces artistes-là qui a fortement impacté ma vision de la musique et, mmh. Et mon envie de faire de la musique. Du coup, forcément, on retrouve un peu du Cabrel dans ce que je fais. Et interpréter, comme vous dites peut-être à la perfection, un grand artiste de renom comme Francis Cabrel, pour moi, je considère que c'est un honneur. Je n'étais rien, mais voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira, elle n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier, elle a fait
de ma vie, des cocottes sans papier, des éclats de rire. Elle a bâti les ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir, je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie, l'amour aussi. Elle vit de son... Et quel autre artiste t'inspire? Qu'est-ce qui t'a poussé au fait à te lancer dans la musique déjà, hein? Tu m'as parlé de ton enfance qui t'a lancé là-dessus, mais quel est l'artiste qui t'a influencé? On vient juste de parler de Francis Cabrel. Oui. Je pense qu'il a été l'un de ceux-là. Du côté de la rumba, j'écoute tout le monde. J'écoute beaucoup Madilou, Pepe Kalé, et j'en passe. Et la nouvelle génération aujourd'hui, que j'admire, hein, j'admire énormément. Quand on voit Madilou, Luambo et tout, on tombe aussi sur Michel Raffa, hein, avec le titre Ngoma. Exactement, Ngoma, c'était déjà mon premier single que j'ai pu réaliser jusque-là. Et quand j'écris le morceau, j'ai pas tout de suite pensé à Michel Raffa, bien que... Tout petit, j'ai été bercé par Ngoma za Congo qui passait chaque fois sur Radio Congo de Michel Raffa justement. Et c'est en studio que l'idée m'est venue de faire appel à ce grand monsieur, parce que je pensais qu'il manquait un peu de sagesse, un peu de maturité africaine que seul lui pouvait m'apporter. Et on parle d'Ngoma en plus, donc Michel Raffa étant aujourd'hui le seul patron, enfin l'un des patrons d'Ngoma congolaise, il faut que je le dise ainsi. Pour moi, je pensais que le morceau-là ne pouvait mieux que passer avec lui, d'où cette invitation, et il a été très honoré d'ailleurs. Il est venu, il était content, et ça n'a été que du bonheur en fait. Bah, parlons de Ngoma, hein. Nous allons suivre un extrait du clip Ngoma et nous revenons tout à l'heure. Ngoma za Kongo ziwakane, lelo ndambo baye, lekumisa ahomo. Malabu masobele nkalu, makaku masobele sangi. Rutik bale baye kubilo, bubele katakala na babo. Kitwaje, solo. Kesikita ngoma na meno, sikita nzambi. Tatunga Kongo ya vutuzanga mamu. Kiengi na kiwisa o. Zarika fuluka mamba ntona to. Sabazo bambongi mbesa lukine. La ukipewe na mbuka mukanda. Tokwane ye. Volume ya kato kendeo. Abe Kongo mwatu mfuma weno. Ngatutu yumini mumakanga ye. Ngoma, ngoma, ngoma za Kongo ziwakane. Kitakatia ekolo wala kebonga e nzolo kukongo nge mishibanda na meno mishilonde tatunga Kongo ya kumfuna lokumu ya mboka o sena misala mpe vizelelio mwasa kibuko weko kikuzukuna elikite mwana Kongo fungola matoyo itumba toboi mando kipelo kona o mokilie kila masena liloba loko langa na yo. Tabambu keno, bapingi tuopese. Nyatingi bifukiri. Nandu nipye mampiri nzatu na mpene. Taseno maela e. Talubu keno. Talubu keno. Kongo. Kongo. Kongo dieto. Mimvuka mieto. Mchieto, mikwabi bietu. Eka pila nchi. Kwa ikangani manchina yandi kururila. Tumuzansa, bama,
batata mikutumbala bandumba bandwenya na bala bagata babuteno kala mujila ndonga mushiti una bubatulukulila njana mikamambo ya misekelana mukumbukilagati mushi nga tukutulusa jari ya balula utudyata nsendya mpanga inafumfumuka ututa nsakila nyawaka na kunanduka ntu minjoka njila na batokota ngulumweko bafututuzitisa waluwiti. Revenons un peu, Makji, sur la musique congolaise. Hein. Aujourd'hui, c'est pas facile aujourd'hui de produire de la musique, de faire de la musique en Europe. Pas seulement en Europe, mais un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, avec la technologie qui a envahi notre société, je pourrais dire que le musicien, l'artiste musicien aujourd'hui ne vit plus de son art. S'en sortent un peu mieux ceux qui ont accès à certains festivals où certains disques peuvent se vendre. Sinon, c'est des ventes online. Aujourd'hui, c'est Internet qui coiffe tout. Exactement, mais aujourd'hui c'est pour ça que tu as produit ton single seul. Oui, c'était un pari pour moi et je pense que je l'ai réussi, ou je suis en train de le réussir. Parce que depuis très longtemps j'ai attendu un producteur. On m'a parlé de 30 ans, qu'est-ce que tu faisais pendant 30 ans? Exactement. Justement je cherchais, j'étais à l'attente où j'espérais justement que quelqu'un découvrirait ce qui était en moi et j'ai voulu faire à ma manière, c'est-à-dire m'organiser sur fond propre et produire ce single qui est là enfin finalement. Comme quoi il ne faut pas toujours attendre que ça vienne de l'extérieur, mais quand on a des envies en soi et qu'on y croit très fort, bah, il faut y aller et on peut y arriver. Un single, voilà. Oui, hein, comme tu viens de le dire, mais quand est-ce que nous pourrons avoir l'album? L'album est en cours, je suis en cours de réaliser. Je suis en studio présentement avec mon producteur, Francky Moulet, d'ailleurs que je salue en passant. Ah, finalement, on a trouvé un producteur. Non, un producteur musical, c'est celui avec qui je fais ma musique. Ok, d'accord. Mais le producteur exécutif, ça reste MG, donc la maison MG Productions. Ça lambine un peu, mais on va y arriver, j'y crois. Voilà. C'est un album de combien de titres? Alors, c'est un petit IP. IP, c'est un mini-album qui sera constitué de 6 à 8 titres. Mm-hmm. Après, on en rediscute encore en fonction de l'engouement des gens, du public. Si on en demande autant, peut-être que ça prendra plus longtemps pour en faire finalement un album qui sera constitué de 12 ou 15 titres. Pour finir, un message, Makji, à ceux qui te suivent, à tes fans qui se trouvent, qui sont partout, hein, parce que Télé Congo est suivi partout. Un message pour eux? J'aime que j'espère les trouver très bientôt sur ma route et pour échanger des moments chaleureux, des moments de bonheur. Et puis voilà, espérer. Je pense que la démarche est en cours. Peut-être au FESPAM, pourquoi pas, si nous sommes conviés. Si Max, je l'ai convié, oui, je serai au Congo. Et ça sera un grand plaisir que de me produire devant mon public, déjà les miens, pour une toute première fois. Je pense que ça sera très intéressant. Et en tout cas, si tu joues au FESPAM, j'y vais. Hein. Je vais aller assister. Je pense qu'il y aura ton billet et tu seras dans mes bagages. Merci, Max. Nous voilà à la fin de notre émission. Merci d'avoir suivi Genesis. Merci d'être de plus en plus nombreux à regarder Télé Congo. Rendez-vous jeudi prochain à 16h30. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, cultivez votre bonheur. Ciao, bye bye. Bougez-moi.